Et on est reparti, on est toujours dans la forêt de Mogul, j'en sais rien. On se retrouve du coup pour une nouvelle partie, on vient de manger une pomme qui donne de la force. Si vous nous rejoignez sur YouTube, eh bien bienvenue à vous. Mais du coup, le bonhomme tout vert qu'on suivait depuis le début nous a amené à la pomme. C'est que ça fait... C'est que ça fait mal son attaque de raton là. Raté, mauvais bouton. Hop, les boutons sont mappés sur la manette de la même façon. Ah oui, ils sont pas encore sortis, c'est ça que tu veux dire. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui veulent tout avoir tout de suite, les replays des VOD, donc les replays complets des sessions d'enregistrement comme celle-ci, sont intégralement disponibles le jour même sur Twitch, pour ceux qui veulent tout suivre d'un coup, donc les 2 heures à chaque fois. Et sur YouTube, effectivement, c'est par section de 30 à 25 à 20, allez, 20 à 40 minutes, selon ce qui se passe et comment j'arrive à monter ça. Les playlists sont dans les descriptions sur YouTube, pour regarder en affilé. J'y mets donc les épisodes entrecoupés et une fois que tous les épisodes sont sortis, je mets la session complète en ligne sur YouTube. Mais tout est disponible également directement sur Twitch si vous préférez tout regarder d'un coup. Voilà, on va soigner, soigner tout ce petit monde et libérer un peu d'équipe, un peu d'inventaire là par exemple. Hop. Ouais, c'est plus confortable comme ça. Mais du coup, le bonhomme tout vert nous a amené là pour rien. On suivait un monstre vert, plutôt que de le combattre. Ça devait nous emmener à la sortie. Et ça nous a emmené à une pomme. Donc je me sens un peu arnaqué. Et pour ceux qui se souviennent de Jacques Chirac dans les guignols de l'info, moi j'ai des pommes. Voilà. Apparemment il avait été payé par le lobby des pommes françaises. Vous voulez bien arrêter d'attaquer mon personnage le moins fort s'il vous plaît? Et la tête de son bâton à Yvan a changé depuis... Tiens, je sais pas ce qu'on a fait. On a récupéré un nouveau truc. Synergie. Toi t'as encore de la synergie. Voilà. T'as essayé de me mener au mauvais endroit, hein. Espèce de... Espèce. Je sais pas ce que tu es. En tout cas, on se fait attaquer par des esprits. Non, j'ai dit que lui, fallait économiser ses pépés. Et puis, on va y aller à fond. Lui, il attaque toujours en premier. Les ratons font mal, on va se concentrer sur les ratons. Ouk. Pitié. Mais ça pique. Voilà. Oui, si vous aimez les jeux de mots foireux, pourris, vous êtes au bon endroit. Ça se déplace. Mais la portée de déplacer est trop courte là. Un jean. Il me le faut. Il me le faut. Hop. Ça fait pas du... Ouf, ah oui d'accord, le couvert pâle est esthétiquement intéressant. Par où faut-il passer s'il vous plaît? J'ai demandé par où faut-il passer s'il vous plaît. Tu sert à rien. Et tu me bouffes ma synergie pour rien. Non mais, moi aussi. Si je regarde pas où je vais.
Ah bah tiens, boule de feu, il a appris, lui, donc. Et bah, boule de feu. C'est pas comme si t'avais plein de points de synergie que tu utilises jamais. Bon, ok, boule de feu sur un seul ennemi, c'est peut-être un peu abusé. Donc là, je ne peux pas, parce qu'il y a un rocher. Mais je peux le déplacer. Voilà. Encore des bâtons à faire rouler. Évidemment, celui-là ne roule pas jusqu'au bout de manière à libérer. Il faut faire comme ça. Toi, tu vas coopérer ou il faut combattre? On est donc dans la forêt de Mogal. Voilà. Au cas où vous vous posiez la question de où est-ce qu'on était. Forêt de Mogal. On sauvegarde. On prépare tous les djinns pour faire des invocations. Il a envie de se battre. Et donc, il va prendre une série d'invocations dans la figure. Ramsès. Allez, boum. C'est un djinn de terre, ça va pas être le plus efficace, on s'en moque. Un djinn de terre, ce qui est le plus efficace contre le djinn de terre, ça va être le djinn de vent, du coup. C'est pas grave. Toi, ton affinité naturelle, elle est au feu. Toi, ton affinité naturelle, elle est au vent. Ça tombe bien, c'est l'invocation la plus puissante du lot. Et toi, donc, l'invocation d'eau. On est parti pour 4 cinématiques. Crocné. Joli oiseau. Qui laserise. Boum. Aïe. Ramsès. Ok. Il tape du poing, ça fait tomber des rochers au milieu du désert. Et boum, il met une patate. J'aime bien, j'aime bien. Calypso. Voilà, grosse attaque de flotte. Et donc, Kirin, le cheval de feu, qui vient lui cramer la tronche. Et voilà, bah il suffisait de faire ça. Voilà, combat rondement mené, efficacité. Ouais, je sais vraiment pas ce que ça donne au niveau du son quand ils font ça, le... C'est Quartz. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir, Quartz? Tu peux ressusciter un allié. Ah, c'est bien, je t'aime. Liés tous. Ils sont tous en attente. Ah ouais, ok. Donc plutôt que de faire ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire de tous les passer un à un en prêt à combattre, eh ben écoute, tiens, on va se soigner avant de continuer à avancer. Hop, prier pour nous. Pauvre pêcheur, hop. On va utiliser de l'herbe pour soigner les autres. On en récupère assez facilement. Lui, ça va. Lui, ça le remet à fond. Lui, à fond. Elle est à fond. L'équivalent d'une bonne nuit de sommeil. Sauf les pépés, mais c'est pas grave. J'ai bien un objet qui permet de récupérer tous les pépés, mais on s'en moque. On sauvegarde maintenant qu'on a ça. On va écraser ça. Hop! Et ben voilà, on avance. Donc, pour traverser... Non! Ah, petit bruit qui nous indique qu'il faut la magie révélée pour révéler quelque chose ici. Le jeu aime le backtracking. Boum! Évidemment. Oui, mais je le sais qu'il y a des trucs à révéler, c'est bon. Sûrement des traces de pas ou quelque chose comme ça. Tout ça, je me souviens comment ça marche. Il y a un djinn qu'on a croisé plus tôt dans le jeu. Boum. Il y a un djinn qu'on a croisé plus tôt dans le jeu qu'on n'a pas encore pu récupérer. Simplement parce que...
Il est... Hop. Le chemin pour le rejoindre est caché. Et qu'il faut donc le révéler. Bon bah pas par là. En fait, Quartz... Ah oui, donc ressuscité, c'est pas mal. J'ai appris aussi récemment, en regardant un short d'une personne qui a aussi joué à Colin Lonson il y a quelques années, que Quartz a une chance de ressusciter. C'est pas... C'est, il ressuscite pas à chaque fois. Le gars est pas fiable à 100%. Bon, après... c'est pas bien grave, quoi. Enfin, sauf qu'il passe en attente. Donc on peut plus l'utiliser pendant un temps. Et on perd des stats. Mais bon... C'est toujours sympa d'avoir une chance de ressusciter quelqu'un de manière... de cette manière. En combat. C'est bien. Focus pas tous le même. Du coup, mur de feu, c'est abusé pour lui, mais on se parle. Il maîtrise donc destruction. Ok. Que fait donc destruction? Ah bah c'est la version plus puissante de, du rayon électrique. Ok. Oui, j'ai perdu une chose. Le plantage. La Nia doit voir de quoi je parle. Oh là là! Il y a trois rondins, mais par où va-t-il falloir passer? Eh ben écoute, mettons un coup de platane là-dedans. Évidemment, c'était celui qui était le plus proche de moi qu'il fallait faire. Ah tiens, c'est nouveau ça. Demi-liche. Eh ben écoute. Niche ma hache. Et il nous donne des noisettes. Ah ouais, d'accord, ton enregistrement complet a été... Foiré, t'as dû récupérer directement sur Twitch. Ah oui, c'est pire que moi avec ma box qui déconne, quoi. Mais donc quand tu disais que ton explorer avait avait sauté, c'était pas une blague quoi. Oui, oui bah oui je l'ai fait pour remonter la partie 15 qui doit sortir dans les jours à venir. La partie 15 qui sortira sur YouTube, c'est un montage de deux des deux parties en gros de... C'est ça. Parce que moi du coup, mon PC ne peut pas supporter d'enregistrer et de streamer en même temps. Donc c'est un autre problème technique dans mon cas, si je perds le stream. Y a trop de défaillances système hein, quand tu regardes le l'observateur d'événements enfin le de ressources dans le système en même temps la moitié des pièces de ce PC en 10 ans donc ou plus donc nécessairement et ouais mais j'ai perdu le stream. Donc il y a une partie, qui est perdue. Et toi donc du coup tu peux ouais donc toi t'as DL la vidéo et puis après t'as pu en refaire quelque chose. Ouais, deux sécurités valent mieux qu'une hein, dans ces cas-là. Je
crois que les ratons sont quand même plus violents. Tiens, on va tester destruction du coup. Je me suis essayé au montage, montage vidéo pour améliorer mon fond, comme tu as pu le voir sur le début et la fin des sections, rajouter des oiseaux, des petits papillons, des petites lucioles. Ça fait très joli. Essayer de faire ça en vidéo plutôt que d'avoir tout dans OBS. Malheureusement, les éléments que j'ai récupérés, impossible de les faire fonctionner dans le logiciel de montage. Obligé de... Ok, donc ça veut pas. J'ai raté un truc. Et donc obligé de tout faire dans OBS. Donc ce que je ferai, c'est que j'enregistrerai les... J'enregistrerai les scènes sans aucun layout. J'en ferai des vidéos et ça fera beaucoup moins à gérer pour le processeur. Je pourrais mettre juste une vidéo en fond. J'ai raté un détail là. Pas grave, hein, je gagne de l'XP et de l'argent, mais... Et des noisettes. De fait, c'est peut-être un peu abusé. Allez, la demi-liche me semble plus dangereuse. Ah oui, mais il y a trois chemins là. Donc, monsieur le monstre là. Non mais j'ai raté un truc, ça l'a dit. On va s'en remettre à la fois. Ouais non, hein, moi non plus. Il y a trois chemins. Ben, on va s'en remettre à la fois, hein. On va au sud. Ah. Eh ben écoute. Oula. Oui alors. Un orang-outan. Si votre orang-outan est bleu, faites-le vérifier par votre
faites vérifier votre orang-outan par un vétérinaire. Ça peut être utile. On va augmenter un petit peu tout le monde. Diminuer l'attaque des ennemis. Voilà. Hein. Ok. J'étais pas prêt. Pour un orang-outan bleu. Ouais, il est malade. Il est devenu agressif, il va falloir le soigner à coup de batte de baseball. Méthode éprouvée. Hop, on va augmenter l'agilité de tout le monde, soigner un petit peu de PV au personnage principal. Kita. Ah non, il ne peut plus se servir de sa synergie. C'est pas très grave, pour l'instant j'utilise que les jeans. Et voilà. Donc, hop. Hop. Ouais, tu sais quoi, regarde. On va utiliser Ramsès. Ah, je peux pas voir du coup la troisième, celle de niveau 3. Oh bon, c'est pas grave, allez. Kirin. Je trouve que c'est la plus forte que j'ai de ce point de vue-là. Toi, est-ce qu'on peut utiliser souffle? Oui, tiens, comme ça, on fait. Hop. Et Calypso pour toi, boum. Vous voulez nous empêcher d'utiliser notre synergie, c'est pas grave, on utilise le cheat et les invocations. Boum. La patate. Ça fait mal. Là. Ah, Laura Hontan peut voir à nouveau. Personne n'est KO, eux, il faut attendre qu'ils soient de nouveau disponibles. C'est pas grave, Ragnarok dans ta tronche. Ah bah oui, tu peux plus utiliser ta synergie. Et bah c'est pas grave, tu vas t'attaner. C'est un boss, il sera insensible à ça. On va utiliser Destruction, le truc le plus violent qu'on ait. Dupli parasommeil, non. Poison, non. Eh ben écoute, bonjour Nightcastmark, et merci pour avoir suivi la chaîne. Hop. Et où? Hop. Ça fait plaisir de voir que des gens... que les anciens... Ah mais oui, mais c'est Marc. Mais oui, bien sûr. The Nightcast Creative. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on a encore comme invocation? On a encore des invocations. Deux. Tac, tac, tac. Non. Tu peux te soigner par contre. Tu peux soigner le copain. Et toi? Et toi aussi tu as soigné le copain. Allez hop. Un petit coup d'oiseau. Tac, 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 allez, boum. Et ben voilà. Voilà, on a battu un orang-outan. 1500 pièces d'or et une goutte. Donc voilà, il était bleu l'orang-outan parce qu'il avait la goutte. Ah, ça fait quoi la goutte? Donne inondé si équipé. Ah bah c'est pratique. C'est pratique parce que ça permet à quelqu'un d'utiliser la magie qui donne du coup
Ah, c'est bien ça. Alors, inonder, c'est la magie qui permet d'éteindre des flammes. Et c'est super pratique. Dans une grotte qu'on a déjà vue, la grotte de Bilibin, je crois, qui nous a amené à Emile tout au nord du jeu. Oui, il y a pas mal de backtracking au final dans le jeu. Mais du coup, c'est pas mal. Parce que ça va nous permettre d'éteindre des petits feux et de faire grimper des trucs plus tard. Donc c'est pas mal, il y a des objets qui du coup nous donnent... Donc ça c'est un fichier des galops, mais c'est pas la même chose que du coup la perle larcin qui permet de l'équiper. Mais on peut en équiper plusieurs sur un même perso. Ok, c'est pratique, on peut avoir un personnage qui est... du coup, le multi-tool de l'équipe. Notamment un personnage... Ils sont d'accord. Un personnage qui, du coup, me permettrait de faire des trucs pas mal. Intéressant. Et du coup, l'orbe de force, je vais peut-être la donner à Yvan. Ou à Gareth. Donner Gareth équipé. Et comme ça, on utilisera une fois de temps en temps les PP de Gareth qui les utilise peu. Et on va donner, du coup, je vais y arriver, la goutte à Yvan. Voilà. Tac, voilà, comme ça, ils ont tous quelque chose d'intéressant à faire. On va utiliser un petit peu de soin. Voilà. Les gougouttes. Pierre mineur pour lui, parce qu'il était assez bas. Il va prendre il va manger de l'herbe. Salania, tu dis c'est propre par rapport à la vanne sur la goutte ou par rapport à l'annonce du follow? Je pensais pas que ça arriverait en plein stream. Comme quoi, tout arrive. Hop. Je les ai préparés un peu à l'avance. Et on est sorti de la forêt. Donc... on va en profiter pour sauvegarder. On a progressé vachement bien et il est 14h. Parfait. L'heure pour nous de nous dire au revoir. Si vous nous suivez sur YouTube, eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous suivez les sessions complètes, on arrive donc à la fin de la session. Comme d'habitude... commentez, dites-moi vos passages préférés de la vidéo. Si vous avez des vannes à partager, des jeux de mots à côté desquels je serais passé, parce que apparemment je ne suis pas passé à côté de beaucoup d'objets, mais si vous avez des vannes, des jeux de mots auxquels je n'ai pas pensé, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Likez la vidéo, que vous ayez aimé ou pas, hein, d'ailleurs, les jeux de mots. Likez les jeux de mots des autres, ça leur fera plaisir. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos et les voir apparaître dans votre flux abonnement, toujours pratique. Et partagez effectivement tout ça, les playlists, les liens vers les playlists des sessions complètes et segmentées sont dans les descriptions de toutes les vidéos maintenant. J'y fais attention. Et aussi des shorts, si jamais vous voulez regarder les shorts, qui sont des courts extraits de dialogues que j'ai trouvé marrants. Voilà. Partagez tout ça à tous ceux qui n'auraient pas joué au jeu depuis sa sortie il y a 20 ans. Et puis on se retrouve très très bientôt. Toujours le même message. Buvez de l'eau, du café, du thé, des jus de fruits. Hydratez-vous, c'est important. Ça fait vraiment quelque chose de hyper important. Et... je vous fais des gros bisous. À la prochaine !